Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une salade de torsade au surimi et au thon. Alors pour cette recette, dans ce saladier, vous avez 200 g de tomates cerises coupées en deux, vous avez 200 g de surimi coupé en morceaux et une petite boîte de thon que j'ai égouttée. Il nous faudra de l'eau, 250 g de torsade. Là j'ai fait une petite mixture avec 4 cuillères à soupe de mayonnaise, une cuillère à soupe de vinaigre rouge et 100 ml de crème fraîche. Et puis, on va prendre un peu de sel et un peu de poivre. Et bien, c'est parti pour notre recette. On dépose les torsades dans la cuve du Cookeo. On va les recouvrir d'eau, avec de l'eau, pardon. Ensuite, je vais saler. Mettre un petit peu de poivre et je vais programmer une cuisson. Pour la cuisson, on va se mettre en mode manuel, en cuisson sous pression ou cuisson rapide, et là je vais programmer le temps indiqué sur le paquet de torsade divisé par 2. C'était des 8 minutes, ben je vais mettre 4 minutes de cuisson. Je fais OK avec un dépareillage. Pendant que les torsades cuisent, je vais aller mettre mon mélange vinaigre, crème fraîche et mayonnaise au frigo, ainsi que mon saladier avec les tomates cerises, le surimi et le thon. La cuisson des torsades est finie, je vais ouvrir mon couvercle et je vais égoutter le contenu de ma cuve. Voilà, donc j'ai égoutté mes torsades, je les ai passées sous l'eau froide. Et maintenant, je vais faire rejoindre ce saladier dans le frigo avec le reste des ingrédients, au moins pendant 2 bonnes heures. J'ai sorti mes saladiers et ma sauce du frigo. Maintenant, on va mélanger tout ça. Allez, on va commencer par mettre les tomates, le surimi et le thon. On mélange. J'ajoute maintenant ma sauce mayonnaise, crème fraîche et vinaigre. Vous mélangez tout ça. Et quand tout est mélangé, eh bien, vous n'avez plus qu'à servir cela. Eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.